Je suis chauffeur poids lourd depuis un an. Je travaille pour Cisco depuis septembre 2023. Toujours voulu conduire un poids lourd, ouais, franchement, oui. J'étais toujours passionnée par les camions depuis toute petite, de toute façon. Prendre le volant, c'est une bonne liberté. Et on est tout seul dans son camion, c'est l'indépendance. Avant d'être chauffeur poids lourd, j'étais responsable de produits frais dans un magasin de grande distribution. Et puis, bah, je me suis lancée dans l'aventure et j'ai passé mon permis poids lourd et j'ai trouvé Cisco au mois de septembre. Je suis employée en CDI, ça a été très rapide et je suis très bien où je suis. Bonjour! T'as passé un bon week-end? Ça va et toi? Moi, ça va, impeccable. Ma journée type, en gros, en première étape, je vais aller chercher mes documents au bureau. Mes factures, ma feuille de route, savoir où je vais. En deuxième étape, je vais charger mon camion. Et l'avantage de charger son camion, c'est qu'au moins, on sait où se trouvent les palettes, on sait où se trouvent les clients. Ma troisième étape, c'est de partir. Suivre la destination des clients. Mon métier, il consiste à livrer des produits frais, des produits surgelés, au restaurant, aux EHPAD, à l'école, à la crèche. Et garder un bon contact client, satisfaire au maximum la communication avec le client, rester satisfaire au niveau des produits, parce que c'est quand même la dernière image que le client a de Cisco, c'est la livraison. Ici, c'est bon? Impeccable. Hop, ça c'est bon. Eh ben impeccable. Merci. Un bon courage et bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. On a des cuisines centrales, donc ça veut dire qu'on a une tonne d'œufs pour un client. Et on peut avoir un client à 6 kg pour un petit restaurant. Comme on dit, on est plus livreur que chauffeur, donc il faut avoir une bonne condition physique. La relation client, moi j'adore ça. Pas un métier où on est seul, on socialise, on va boire un petit café chez le client. Et bah merci bien, bon courage et bonne journée, au revoir. Pour moi, une journée réussie, c'est pas accrocher mon camion, pas avoir d'accident, que le client ait tous ses produits, pas de manquant, pas de casse, et que j'arrive au dépôt sans rien, et qu'au débriefing, on me dit que c'est parfait.